Ce soir, on est à l'ouverture du Houston Avenue Bar & Grill, situé sur la rue Peel, au coin du boulevard de Maisonneuve. Ce nouveau restaurant qui aura un menu exclusif, signé par le chef exécutif Joe Mercury. C'est notre nouveau concept, un peu différent look, comme vous pouvez voir les différentes couleurs. C'est ici, qu'est-ce qui est spécial, c'est un Houston à deux étages. Donc, on a une salle en haut corporate pour les corporatifs, des groupes, puis la salle à dîner, le bar. On a changé un peu la configuration, mais je pense que c'est un très beau concept. Le menu, c'est signé M. Joe Mercury, notre chef exécutif. On a 3-4 choix, que c'est sa spécialité qu'il y a sur le menu. Comme vous pouvez voir, c'est une ambiance très décontractée, très relaxe, une belle ambiance, chaleureuse. Les clients sont très bien servis, très bien reçus par nos serveurs et serveurs. Le nouveau Houston à rue Peel, c'est vraiment différent. On fait un menu signature Joe Mercury. On vraiment vous showcase des produits de Québec en saison, comme des asperges de Québec, l'omar de Madeleine, crabe de Gaspé, puis on utilise ces produits ici. Il y a aussi un menu, il va changer un peu à chaque semaine. Moi, je fais les tables d'hôtes ici à tous les midis. On change la table d'hôtes à toutes les semaines. Si on vraiment utilise le produit en saison, qui est local. Qu'est-ce que tu dirais qui est un incontournable qu'il faut goûter sur le menu? Vraiment, tous les produits de Québec, c'est excellent. Vraiment, goûter l'omar. J'aime l'omar, les tempérés d'omar, puis le crabe de neige avec de l'avocat et mangue. Mais premièrement, quand on rentre, le choc, c'est de... J'avais pas réalisé qu'on est dans l'ancien Cavalli. Donc, on reconnaît le lieu. C'est pas un lieu qu'on est complètement... qu'on connaît pas. Et je savais pas que le chef Mercury était un chef exécutif pour le Houston depuis plusieurs années. Alors, belle surprise. J'ai hâte de goûter ce soir à la nourriture, tout ça, et de découvrir le Houston. Je pense que notre génération cherche une place où est-ce que les jeudis, on peut vraiment être happening, puis... Il fait beau, 5 à 7, oh terrasse. Oh my God, it's so beautiful. There's drinks, there's food, c'est vraiment cool. Puis on peut ça pas se l'été. Ça sent l'été. Enfin. C'est le fun que Houston est venu s'installer ici parce que je pense que le centre-ville avait besoin de quelque chose comme ça.